Le mouvement Talent Caution 2021 a organisé ce samedi 23 janvier 2021 à Porto Novo une séance de formation initiée au profit des membres du département de l'Ouémé. Au cours de cette formation, les militants ont été mieux aguerris sur la notion du militantisme politique. Reportage de Bruce Babaïkba et de Semiat Youssoufou, présenté par Aziza Chamou. Talent Caution 2021, les militants et sympathisants de ce regroupement politique renforcent leur capacité à cette séance de formation initiée à leur profit. Une séance de formation au cours de laquelle les membres de ce mouvement sont renseignés davantage sur les notions de militantisme et de patriotisme conformément à leur idéologie. Nous avons initié, formé nos lieutenants ce jour conformément à notre feuille de route. Ainsi, la dite formation, dont les thèmes à développer sont très riches, est une nouvelle occasion de rencontre pour les membres de TC21 en général et en particulier pour ceux de l'Ouémé en attendant les autres départements pour mener des réflexions sur les nombreux objectifs, missions, genèse, vision et fonctionnement du projet. Plusieurs thématiques du monde politique ont été passées en revue, parmi lesquelles celle du patriotisme en période électorale. C'est aussi l'occasion pour les leaders de TC 2021 du département de l'Ouémé de s'approprier davantage les contours de ce thème. Cette période est une période de propagande par rapport au projet de société des différents candidats qu'on puisse avoir pour se présenter aux élections présidentielles. Mais où, à quel niveau nous devons manifester notre patriotisme? C'est de s'approprier, de prendre les projets de société et de les étudier, de voir en quoi chaque projet de société va engager le Bénin sur une voie de développement. Ce n'est pas rester et dit bon, combien celui-là a donné pour qu'on aille voter pour lui, non? C'est de voir le projet de société du candidat, de s'approprier ce projet-là et de voir qu'est-ce que le projet va apporter au développement de notre nation. J'étais habitué par le passé, par des affichages anarchiques. Notre patriotisme va nous amener à mettre de l'ordre dans ce qui se faisait. Les autorités communales ne sont pas restées en marge de cette initiative qui, selon elles, rime avec leur vision. Elles saluent d'ailleurs l'idée à travers le représentant du maire de Porto-Novo. Remercier, toutes mes félicitations. Au nom du maire, nous vous remercions. Il me charge de vous féliciter pour tout ce que vous êtes en train de faire. On sait que c'est la jeunesse et vous êtes en train de nous montrer que vous êtes des braves. Vous êtes des braves. Toutes vos actions sont visibles partout dans le Bénin. Nous vous encourageons à évoluer et aller de l'avant. Après la phase de formation de ses membres, le mouvement TC 2021 promet au soir des prochaines élections d'avril une victoire éclatante à l'actuel locataire de la Marina.